mamada. Thank you.
À combien tu tournes d'après toi là? Je suis tout à l'heure. Un peu plus, il y a des petits pics des fois. Ouais, c'est bon, on l'accélère. Oh, c'est bon, que moi je suis diesel. On attend 18 et 19 à peu près. Moi j'ai rien dans le sac. Sur le moment, juste vers 18. Non, c'est pas gamin, c'est jeune, c'est frais ça. Ah, c'est plus vite, c'est pas grave. Je... C'est pour le plaisir, il y avait quand même Dominique Chevalier. Donc... Tu seras prêt pour dimanche? Tu seras frais dimanche? Je suis pas sûr, mais c'est pas grave. Ça fera du rythme quand même, ça sera plus dur encore. Tu te reposes demain, tu seras plus sûr vendredi samedi? Exactement. Même pas samedi, parce que je vais pas avoir le temps. Juste vendredi, je fais 10, 10 bornes. Et aujourd'hui, je pensais faire 10, 12 bornes tranquille. Ouais, moi aussi. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ah, je suis content parce que j'en avais un peu sous la pédale là. Même si le cœur il était vraiment dans le dur. Les jambes étaient encore en moyen. Ça va. Mais par contre le cœur, il était fort là. Ah puis lui il a couru dimanche donc. Ah ouais, en plus ça tout est terrible. À l'âge qu'il a. C'est chapeau. Hein. C'est énorme. Premier tu l'avais fait comme ça ou... Ouais. La vitesse, on l'avait fait à peu près pareil. Ouais. C'est du jus pour dimanche quand même. On est un vélo les gars, c'est moins dur. Hein. Non mais ouais, mais normalement. Il y en a des tiennes. Ouais. Quand t'es bien, faut faire. Hein. J'ai profité. Mon manager, tu me fileras 200 euros. En espèces par contre. J'en ai profité. Pas tous les jours. Hein. Ah, c'est vrai. T'es licencié dans un club, toi? L'ascule avec Eddy là. On est à l'ascule en fait. Il n'y a pas d'entraîneur en fait. On s'en fait. L'ascule, c'est quel club? C'est quoi? C'est Association Sportive Communauté Urbaine du Grand Lyon en fait. Donc normalement, il faut travailler au Grand Lyon. Ah, c'est l'ancien. Non, on est invité. Non, en fait, Ah, ça n'a rien à voir avec l'association Bron. Non, ça n'a rien à voir. Et nous, on est juste une petite équipe de 5 coureurs à courir. On n'a à peu près tous au même niveau. Pour les crosses. Il n'y a pas d'entraîneur. Il n'y a que cette année où vraiment on a rien. Ouais, sinon avant, il y a des coups. Il n'y a rien qui attend. Il n'y a rien qui attend. Ah non, mais en soi, quand tu fais frais, il fait lourd. Ah ouais, ça coule. J'ai mouillé le même. Entre 18 et puis à la cour à 12 à l'heure, ça fait des écarts. 18 et 12 à l'heure. Tu cours pas alors? Non, je suis blessé moi. Tendon d'Achille. En vélo, tu fais ça ou quoi? Je suis inscrit à Nice, alors je me coupe. Le gabarit aussi, c'est pareil. Puis j'ai enchaîné vélo costaud, à pied pareil. Enfin, je veux dire, des bonnes séances les unes sur les autres, au bout d'un moment, ça passe plus. Ça tombe pas au bon moment quoi. Enfin, y a jamais de bon moment pour ça. Bah, lorsqu'on est bien, on est trop bien, on est bien, on en rajoute, et boum. C'est dur, hein. Même moi à mon âge. Hein. Dès que je suis bien, je fais des 200 et tout. Puis paf, je pète un. Et on récupère plus bien quoi. Mais comme on est compétiteur, dès qu'on est bien, tu oublies ton âge et tu. De temps en temps, rappel à l'ordre. Et on recommence à zéro, c'est reparti. 3 mois d'arrêt. Là, ça fait 2 mois là, et pour l'instant. Ce qui est bien, hein, c'est le marteau piqueur, tu l'as sur ton. Le machin qui tape sur le tendon, comment ça s'appelle Je fais de la méso là, 4 séances déjà. Merde, je fais la deuxième. C'est un truc qui tape sur ton tendon, ça fait mal, ça abîme les fibres autour du tendon, t'as mal. Et après, toutes ces fibres-là cicatrisent, et ça te renforce non. Comment s'appelle l'appareil en kiné là qui tape sur le tendon là
petit squelette. Tu sais, maintenant un nouvel appareil, quand t'as une tendinite, t'as un truc qui est marqué cœur. Il est tombé. Un arbitre monde. Il y avait. Ah merde. C'est ce qui a gagné. Ah Manu. Martin Lenn. C'est comment ça s'appelle chez les kinés le truc qui tape là, qui fait des ondes de choc. C'est ça, les ondes de choc sont une tendinite d'Achille. Donc t'as des ondes de choc là où t'as mal, ça fait mal. Donc ça t'abîme tout ce qui est autour, c'est puis ça écrase les nécroses et tout. Et après ça cicatrise, 10-15 jours après tout ça, ça cicatrise et puis c'est renforcé. Mais il n'y a pas qu'il tape. Je refais 10 minutes. A priori, il y a des bons résultats. Il y a des bons résultats. Combien le gamin là? Il est bien, il est là, c'est. Mais là, elle est chaude, je peux comprendre de taille. Ouais, mais en plus, la vie est chaude. Allez, on y va. Bon, Céline, le gamin est. Pareil, je vous ai mis. En même temps, c'est vrai. On a fait la même. J'ai même eu des fois. C'est pas faux. J'ai pas dû l'éteindre là. Il doit pas être éteint. Si. Ouais, il est en pause. Là, on voit plus rien. Non, mais c'est normal. On le met en mode nuit, mais c'est good.